ho, 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 ho. C'est pour l'équipe Making Off. Ouais, j'ouvre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez moi. Voilà, c'est l'équipe Making Off. Oui. Vous sers un café? Ouais, un petit café, pourquoi pas. D'habitude, c'est pas moi qui le fais. Bon, bah. Et comme ça, je viens juste de faire caca. J'ai eu un petit accident de parcours là. Alors, bonsoir. Donc, moi, je me présente. Je me prénomine Lucien Bramard. Je suis donc l'assistant réalisateur du plateau. C'est-à-dire que je peux aussi faire régisseur, chef opérateur, de temps en temps il m'arrive d'être cadreur, même monteur, et de temps en temps maître nageur. Chieur. Et chieur. Et votre métier consiste à quoi? Alors en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que mon métier consiste simplement à aider Quentin. D'accord, donc vous vous occupez seulement de la technique? Alors... Non, je ne m'occupe pas seulement de la technique, dans le sens où il m'arrive aussi de chercher les acteurs. Par exemple, très simple, c'est moi qui ai trouvé donc l'acteur principal. Non, pas maintenant, pas maintenant, gros, pas maintenant. Elle est parfaite, les gars. Vas-y, mais comme ça, ça me plaît. Désolé, je suis vraiment désolé, putain. Moi, je suis désolé. Vous savez, c'est comme une récompense pour moi de travailler pour... Harpie. Raccord caca, s'il vous plaît. Dans tous nos derniers films, il y a au moins une scène où il y a de la merde dedans. Je te jure. Et... Vas-y, te rigole pas maintenant. Il te l'a fait. On laisse tourner en enchaîne. Action. Et... Oui. Putain, quel con. Oh, dégueulasse. C'est quoi film en mode making of, toi? Prends le téléphone. Elle va hurler. Merde, j'avais un full maniquet qu'à carré. Arrête à Julien, on a besoin de l'écran vert. Je change de canal, je t'entends pas très bien. Il n'a pas compris le principe des bacs, t'sais. Là, c'est... Moi, je dis, ça tourne au son? Oui. Shooting photo. Shooting photo. Alors là, si on le voit pas, franchement... J'ai moi, ça tourne, hein. Oh non, mais je peux pas jouer comme ça, quoi. Ah, c'est pas grave. C'est trop flag. Tu vois qu'il y a un truc qui déconne que... Bon, je peux pas t'aider hein, parce que c'est trop dégueulasse. Oh non, mais gros, mais je vais pas réussir en une seule prise, les gars. Si. Vas-y, on se fait. Allez, on y croit. On y va. On improvise. Allez, on impro. Silence et action. Non. En l'occurrence, là, on a plus de lumière. Donc. Café pour le réac, s'il vous plaît. Bien, toi. Tu peux me voyer si tu veux. Bah, on est en train de régler la stabilisation de l'image, c'est ça, je me trompe pas. Café, s'il vous plaît. Café pour le réac. Faut que j'y aille, que j'aille faire l'intérieur. J'ai pas fait toutes ces blagues pour pas les voir. Hein. Ah. On la voit ma blague. Ok,
Okay, donc silence s'il vous plaît. Tenez, c'est spécialement pour vous. Excuse-moi, je l'avais pas vu encore. Vas-y, refais le jeu. Est-ce qu'on peut juste arranger vite fait la forme de la boule un petit peu? Écoute. J'avais pas vu le jeu. Oh merde, putain. T'as un artiste, c'était. Oh merde, j'y arriverai pas. Je l'avais pas vu aussi bien en fait. Quoi. Merde. Vite, alors ça fonde. On a une boule plus grosse que putain. Là, c'est un malade. Ouais, tu peux la poser direct. Hein. Ouais, n'importe quoi. Ok, ça tourne et. Action. Tenez, j'ai fait spécialement pour vous. Vite, elle bouge, hein. Je peux le rendre. Ok. Bon, vous êtes prêts? On reprend la première réplique. Ça tourne et. Action. Mais parle-nous un peu de toi, Boris. Boris. Du plan. Ok, ouais. Quand tu veux. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on a fait un coup de pied. On la reprend. Mais je vais pas répéter à tout le monde, non? J'ai plus d'eau chez moi depuis des mois. T'es con. Non, vas-y, c'est bien. Du coup, là, la blague, c'est le fait qu'il se lave pas. Si tu le touches, tu peux après. Ah ouais. Attends, pardon. 3, 2, 1. Top. 3, 2, 1. Je peux pas. Je peux pas l'enlever. Ça fait rien de toute façon. En plus, t'as besoin d'un plomb vide. On va le sourire. Top. Attends, je suis désolé. Putain. C'est pas comme si j'allais perdre mon bras dans quelques minutes. Et deux. J'allais pas te faire le. Tiens, mieux le micro. Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu son chargeur. Il m'a pété, mec. Sonde chez toi. Moteur. Clap. C'était quoi ça? C'était un bout du plafond. Ok. C'est le flingue. Et moi j'ai pas un euro en poche. J'ai pas un euro en poche. D'ailleurs j'ai même pas de poche. Et moi j'ai pas un rond. D'ailleurs j'ai pas un rond en poche. Enfin j'ai pas de poche. D'ailleurs moi j'ai pas un rond. J'ai pas de poche pour mettre des ronds dans mes poches. D'ailleurs moi j'ai pas un euro et j'ai même pas de poche. J'ai pas un euro en poche. Et moi j'ai pas de sous en poche. D'ailleurs j'ai même pas de poche. D'ailleurs moi j'ai pas de poche et j'ai pas de fond en poche. Oh merde. Moi j'ai pas un euro en poche, d'ailleurs j'ai même pas de poche. J'ai pas un euro. Mais tu comprends pas la blague. Et moi j'ai pas un rond en poche, d'ailleurs ouais, j'ai pas de poche. Hein. Bien sûr. Vous me proposez combien? 50 cents. Ok, on la reprend alors. Vas-y. Ouais. C'est son réveil matin. Il a mis à l'heure. Allez, va. On commence par quoi? Par quelle réplique? On ne baisse pas deux fois. Moi. Même une fois, je sais pas comment. Vous me ramenez chez moi, moi ma voiture elle a cramé dans le parking. Ah, c'est moi qui choisis la musique, hein. C'est le pour regarder. Ah, je voulais qu'il regarde là, qu'il regarde là. Sérieusement, les gars. J'ai plus d'eau chez moi depuis des mois parce que j'ai pas payé mes factures. Mais c'est ma petite fête de la CAF. En somme, t'es énervé. BAM! Il en prend une. Bordel, c'est qui ça? BAM! Ouais, pardon. Oh, tiens, je me prends une balle. BAM! Boris? Boris? Merde. Hey, prends le flingue comme ça. Boris? Putain, mais c'est qui ce gars-là? Boris? Putain, mais c'est qui ce gars-là? Pour celui qui a vu Django, tu vois la scène où il a se fait tirer dessus? À l'image, c'était pareil. Il a décollé comme ça. Elle est BAM! C'était un homme décalé. C'était, ouais. BAM! Un problème de décalage horaire, là, ton BAM. Mais c'est parce qu'on est loin. Quand sur le cœur, le stone, c'est Saint-Arnold. Ok, là.
Hein? J'ai perdu mes lunettes, qu'est-ce qu'il fait? Il est plus là, j'ai explosé avec. Plan large. N'importe quoi. On l'a refait, j'imagine. Ouais, on l'a reprend. BAM! Mais... BAM! On l'a reprend. BAM! Attends, j'avais pas la main. Ah, BAM! Putain, mais c'est qui ce mec? C'est pour connaître toute maison. Mais quoi? On dirait qu'il t'a trompé. C'est qui ce mec là? BAM! Mais putain, mais c'est qui ce gars là? Enlève voilà. Le sourire. Ah oui. BAM! Mais c'est qui ça? La jamais rendu. Quel enculé! Tu peux cracher. Quand tu. Je crache vraiment. Non, mais pour du faux. C'est moi qui choisis la musique. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que fait le J'ai encore oublié que t'es ma voix à la caméra. J'ai encore oublié que c'est pas possible. Tu devrais baisser ça. Et c'est moi qui choisis la musique. Putain, mais. Putain, la claque pas cette putain de porte. Faut juste espérer qu'ils soient cool au niveau de la thune et qu'on puisse lui demander ses services bénévolement. Ok, on en reprend une. Alors... Il va bien s'entendre celui-là au micro. J'aurais pas fait mieux. Qui veut un café? Ah, il y a même de la glace. On peut trouver un autre truc. Je vais te suicider si tu continues à me couper la parole. Évidemment, le seul moyen de s'entendre, c'est de se menacer de carnage. Je l'ai toujours dit. Alors techniquement, il s'est suicidé, ton patron. Bah justement, on voudrait savoir, qu'est-ce que tu sais sur Vanessa? Salope. Attends, t'as arrêté de lui parler juste parce qu'elle tourne un film de cul? Mais c'est pas vous qui deviez le faire? Voilà. J'ai créé spécialement pour vous. J'ose espérer que vous avez viré votre saloperie parce que j'attends du monde. Pourquoi? Vous avez des soucis avec elle? Désolé, hein. En Carmélide, j'aurais pu faire quelque chose, mais là... Oh, venez voir. C'est la forêt là-bas qui flambe. Ouh. Bon, j'ai juste mis le feu à son cabanon, là où c'est qu'il range ses outils. Moi, j'ai riposté en foutant le feu à la grange, là. Là où il stocke son fumier. La vieille. Bon, c'est après, les feux sont rejoints. Et voilà quand mon appart a cramé. Non, c'est moi. Je suis en train de te raconter que mon appartement a cramé, je me suis retrouvé dans la rue, et tu veux savoir c'est quoi le pire dans cette putain d'histoire? Ah non, mais on peut même plus parler. Ah, attention, y'en a un qui se pointe. Ah bah comme ça, on saura qui c'est. Oh les gars, ouvrez. Eh, vous foutez pas, maintenant, hein? Mais putain, ouvrez la porte. C'est bon, j'ai le temps, il faut 5 minutes pour me préparer. Dites, vous pourriez frapper quand même, hein? Imaginez que je suis en train de... Boris? Hey.